Hello, my name is Laurent Gentot. Welcome to our channel. This is about art, education, most of all. Today's special is a solo by Maurice Béjart, choreographer who doesn't need to be presented anymore, of course. But what's interesting there, it's its own text read by him. And it's about the barre, fundamental techniques, and what it's like to be confronting this barre every day for a dancer. It's a unique piece for our archive. I hope you like it. Comments are welcome, and please don't forget to subscribe. Thanks a lot. La barre est tout, mais cesse de la regarder comme un instrument ou un point d'appui. La barre est vivante. La barre te connaît, la barre t'observe. Elle a besoin de beaucoup d'amour. Lorsque chaque matin, tu viens faire ta leçon, arrive très tôt, avant tous les autres, pour être seul dans le studio. Et tout d'abord, en entrant, salue la barre. Une grande révérence, un sourire et « Bonjour la belle !» Et puis, approche-toi d'elle délicatement. Flatte-la comme un cheval de course, un peu sauvage. Une caresse, beaucoup d'égards et pas mal de tendresse. Ensuite, lorsque tu la tiens pour travailler, ne la serre pas trop, tu pourrais lui faire mal. Pose ta main sur elle. Tranquille, que ce contact soit une union entre elle et toi. Que par ce contact, vous vous pénétriez l'un l'autre. Mais surtout, pas de possession. Tu aimes la barre, tu dois l'aimer parce qu'elle t'aime, mais elle ne t'appartient pas. De même que tu es libre, la barre n'est pas ta barre. Elle est là, par la mesure où tu sais l'honorer, l'aimer. Ensuite, lorsque tu quittes le studio, dis-lui surtout au revoir et merci. Si tu tiens debout, c'est grâce à elle. La barre est ta colonne vertébrale. Ne l'oublie jamais. Ensuite, il y a une autre personne ici. Mais cette personne est dangereuse. Le miroir. Lorsque tu entres dans le studio, le miroir vient aussitôt à toi. Il se colle à toi. Il t'aspire, il t'avale, il te dévore. Tu es heureux. Tu le regardes. Dans lui, tu crois te voir. Tu t'imagines ce miroir comme un frère jumeau. C'est un traître. N'aie aucun égard pour lui. Pas un seul regard. Tout ce qu'il te raconte n'est que mensonge. L'image de toi qu'il te renvoie est l'image la plus trompeuse, la plus fallacieuse, la plus subjective. Dans ce miroir, tu vois que ce que tu veux bien voir. Et ce que tu veux voir, ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi. C'est ce que tu voudrais bien être. Maintenant, là, entre les deux yeux, il y a un point, exactement là. C'est là qu'est le travail. Tu vois exactement chacun de tes mouvements. Et puis surtout, tu peux tourner, le miroir tourne avec toi. Tu peux partir, le miroir reste avec toi. Tu peux te trouver ensuite sur scène, avec la salle remplie de public, devant ce trou noir fascinant et terrifiant. Le miroir est là, calme, propre, devant toi. Chacun de tes gestes est contrôlé. Et en plus, cette vision n'est pas extérieure à toi. Tu es le miroir. Dans cette salle, que vois-tu encore? Le sol. Il faut que tu l'ignores aussi, mais que tu l'ignores avec une extrême ruse, en sachant qu'un cours va et revient
et la pose à tes pieds. Tu veux sauter, le sol s'évade, devient très profond, et à l'instant où tu en as besoin, il revient comme un tremplin pour te donner cette gifle sous la plante des pieds qui va te permettre de toucher les étoiles. Voilà, la barre, le miroir, le sol, tu peux danser. Je peux danser? Oui, je peux danser. Thank you.